J'ai peur qu'on voie que j'ai le trac. J'imagine que ça t'est déjà arrivé dans une prise de parole de sentir qu'il y a de la confusion, que tu es en train d'être un peu bredouille, et puis surtout d'avoir cette petite voix qui dit non, 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 j'ai peur qu'on voie que j'ai le trac. Et tu vas être tenté de mettre un couvercle, d'essayer de contenir, de couvrir, de ne surtout pas de camoufler cette facette de toi qui a peur. Comme en communication, il y a tout le non-verbal, il y a de fortes chances que ton audience, alors ne repère peut-être pas ton trac, mais par contre ressent que tu es en train de camoufler, de fermer quelque chose et que tu n'es pas complètement dans ton expression libre. Alors il y a une clé qui est à développer, c'est la possibilité d'accueillir ta difficulté sans te maltraiter et non, et surtout sans chercher à la cacher. Tu as certainement vu même de très bons orateurs qui osent face au micro arriver et puis dire wow, c'est très impressionnant d'être face à ce public, ou encore en train de digresser un peu plus tard et puis s'apercevoir et dire bon, là je crois que je vous ai tous perdus, j'ai été emballée, emportée par ma passion et ma générosité de vous délivrer tout plein de choses, et finalement voilà, de revenir et de recentrer le discours. Tout ça dans le vivant. C'est la voie que je vais te proposer, c'est d'aller oser incarner 100% de toi. Et pour ça, il y a deux possibilités qui se complètent, c'est celle d'aller libérer tes voix de tête, tes voix parasites qui filtrent ton expression libre avant de te lancer dans ta prise de parole, et aussi d'apprendre, d'apprivoiser cette faculté de rester dans le naturel, dans le vivant, dans le présent, de pouvoir même nommer ton inconfort, d'aller jusque-là et d'accepter que ça fait partie de ta dimension humaine, de tes facettes. Les deux avantages à cette pratique, c'est que tu vas d'une part gagner en cohérence, puisque tu vas pouvoir être là, naturel, sans vouloir contrôler tout ce qui peut arriver et au cas où, et donc regagner en simplicité et en confort et en sécurité d'être là avec tout ce qui peut se passer et quoi qu'il se passe. Et puis aussi gagner finalement en impact, en proximité avec ton public, puisque en t'autorisant à nommer tout ce que tu vis là dans le vivant, bah, tu leur offres aussi la possibilité d'être eux tout à fait authentiques et de te voir tel que tu es avec tout de toi. Si tu as envie, je suis déjà en train d'ouvrir mes grands théâtres à partir de mardi prochain, 28 après-midi, j'ouvre le Théâtre des Merveilles et des Jeux Libres. Si tu veux en savoir plus sur ma formule d'abonnement, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ce poste. Et puis très très vite, tout de suite, j'ouvre encore des places, tu peux me contacter pour qu'on en parle très librement et sans trac.